Et bonjour à tous et à toutes, c'est Yoro, ici le capitaine Tank Sparrow. Aujourd'hui sur la chaîne Tank et Marmotte, un nouveau défi nous attend. Après avoir remporté boule de bataille face au capitaine Kid, au capitaine Barbe Rousse, au capitaine Crochet, au capitaine Gangplank, le corsaire de la faille, un nouveau défi nous attend aujourd'hui. On m'a appelé sur un nouveau jeu vidéo, un jeu auquel je peux jouer, même avec une seule main. Ce crochet me permet de jouer à ce jeu vidéo. Il s'agit évidemment de Hearthstone, Heroes of Warcraft. Je vais vous présenter mon équipage, et après ça, allez nous battre directement sur les 7 mers, dans tous les océans. Pour nous aider, nous aurons le matelot des mers du Sud, un vieux compagnon et son frère jumeau. Nous aurons également ma fière amie de toujours, la mousse de la voile sanglante, récupérée dans les Vactères, le Strangler 11. Un tricheur invétéré. Le meilleur pour piper les dés. Le tricheur borgne, évidemment. Un atout majeur dans notre équipage. Nous avons amené le capitaine des mers du Sud, bien sûr. Un homme en qui j'ai entièrement confiance. Notre mascotte, le roi Nucla. Gorille récupéré dans des îles hantées. Le corsaire de l'effroi. Un de nos plus farouches combattants. Et mon meilleur ami, le capitaine Vertepo. L'homme qui s'est débarrassé de tous nos ennemis. Avec ça, nous aurons quelques mercenaires et quelques subterfuges pour brailler l'ennemi. Et nous allons donc directement nous lancer dans la bataille. Ce jeu me permet de jouer avec mon crochet, étant donné que c'est un jeu qui demande très peu d'APM. Voilà, le deck Tank Sparrow, évidemment. Nous sommes lancés dans la bataille, tous à l'abordage. Allons-y. Donc qui allons-nous nous battre cette fois-ci? Monter le multiples ennemis. Je n'ai pas encore tâté la lame de mes ennemis dans ce jeu. Ville Sabord, c'est un paladin. On est attaqué, mesdames, messieurs. On est attaqué par le paladin. Défendez-vous. Alors, attendez-y. Qu'allons-nous garder? Oh là là là. Nous allons garder notre ami le tricheur borgne et le capitaine des mers du Sud. Nous avons ici un être très agressif. Nous avons beaucoup de pirates qui viennent de nous rejoindre pour cette bataille, beaucoup d'amis. Je voudrais un pirate tour 1. L'attaque sournoise. Un subterfuge et un sort très puissant qui m'a permis bien souvent de vaincre mes ennemis. Il ne joue rien. Alors évidemment un pirate ça grille bien sûr, donc on va commencer par le tricheur borgne, mon vieil ami. Et au prochain tour, nous pourrons le buff plein de cure, étant donné que nous avons un paladin en face, n'est-ce pas? Et nous savons que le paladin craint le pirate. Le bec de fer. Mille sabords. Un sortilège. Mais c'était rien. Nous avons bon, bien mis le capitaine des mers du Sud. Il a toujours su motiver les troupes dans toutes les batailles. Ce subterfuge nous permet de nous débarrasser de cette chouette hantée et maléfique. C'est un massacre pour l'instant. Nous avons pris le contrôle du champ de bataille. Nous allons bientôt lancer l'abordage. Nous avons notre fier ami Jeeves, qui nous a toujours permis d'aller au moment délicat de revenir dans les plus dures batailles. Oh. Il a tué notre capitaine. Il avait pourtant bien fait son travail. C'était un héros. Oh, le deuxième capitaine des mers du Sud. Alors ça, mes amis, c'est formidable. Nous allons jouer dans la curve, parce qu'un pirate, ça joue toujours dans la curve. Nous allons donc commencer par mettre notre dague. Là voilà. Exactement, malheureusement. Et un crochet. On va venir du Sud. Attaque! Comment va-t-il pouvoir se défendre? On joue être très agressif, vous le savez. Regarde le Pendlandor. Encore un maléfice. Il va tuer notre mousse. Nos amis tombent à par un, mais nous dominons toujours cette partie. Le matelot des mers du Sud. Un vieil ami. Pachimusuk à l'attaque! Ce sont les enfants perdus! Alors évidemment. Grid total, hein! Bourron! C'est ce que fait un pirate, n'est-ce pas? Nous avons le contrôle du bateau. Mais l'adversaire n'a pas encore dit son dernier mot. Cet homme a l'air maléfique en face. Notre deuxième matelot meurt. L'acolyte de la souffrance. Nous allons pouvoir jouer Jeeves! Nous n'avons pas une bonne main, car deux Jeeves dans la main, c'était pas formidable. Parce que le piochon. Le robot barbier. Il faut le jouer.
Nous enchaînons comme ça sur Jeeves, qui nous permet de récupérer deux cartes. Et nous bourrons l'adversaire. Nous avons encore moult sortilèges pour nous en débarrasser. Récupère l'argent. Une fière amie. Le déluge de l'âme. Le contrôle du bord est total. Mais nous n'avons pas tant de dégâts que ça. Et les canons du navire ne sont pas encore des nôtres. On a perdu beaucoup d'amis déjà. Oh ma barbe. Il pioche des cartes. Ça pourrait être très dangereux pour nous ça. Le jongleur de couteau. Nous avions failli l'engager. Et nous lui avions préféré son ami barbier. Ah, les couteaux qui peuvent être terribles les amis. Oh là là, Jeeves. Jeeves qui prend très cher. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais l'adversaire qui est sur le point de passer le vie à trépas. Il veut nous attaquer avec son arme. Il veut nous attaquer avec son arme. Ça va être une catastrophe. Il ne tue pas Jeeves. Il laisse Jeeves en vie. Le corsaire de l'effroi. Un vieil ami. Et qui prolonge cette dague. Ils ont donc posé notre vieil ami, le corsaire de l'effroi. Nous avons tapé dans ce jongleur de couteaux. Et nous avons explosé notre lame à la face de l'ennemi. L'adversaire trouva 5 points de vie. Il est très proche de la mort, le bûcheron des cartes. Le roi Mucla, notre vieille mascotte sur le bateau. Le perroquet étant bien sûr trop has-been pour le capitaine Dark Sparrow. C'est le capitaine Uther qui va bientôt arriver. Pour se défendre. Va-t-il pouvoir tuer notre corsaire de l'effroi? Oh la consécration! Il nous attaque avec son arme. Il nous attaque avec son arme! Défendez-vous! Défendez-vous, soldats! Nous ne pouvons pas le laisser! Le canon du navire enfin! Voilà, nous n'avons pas de pirates! Tous nos pirates sont déjà tombés! Ce n'est rien. Nous sommes quand même disposés de nos cartes. C'est un moment très important dans la partie. La bataille se joue tout de suite. Tour 8, il peut avoir l'infâme Tyrion Fandring. Comment allons-nous gérer ça? Poser le canon du navire. Notre ami les cuillères. Notre ami Jeeves. Car nous devons absolument piocher nos éviscérations pour gagner cette bataille. L'éviscération numéro 1. Le poison mortel. Si l'adversaire n'a pas l'infâme Tyrion, un homme que j'ai déjà combattu par le passé, avec mon ami Edwin Van Cleef. Oh l'infâme Tyrion. Mon dieu. Oh là là. Les amis, c'est une catastrophe. Pour pas le tuer. Comment allons-nous nous en débarrasser? Oh! Et le top deck évidemment! Un pirate top deck toujours! Le pirate! Ça c'est top deck! Et donc, c'est une victoire, mais le canon arrive! Attention, c'est maintenant! Et la victoire des pirates! Qui remportent toujours toutes les batailles, les amis! C'est formidable! Il reste encore un boulet de canon. Nous sommes juste trempés. Mais nous remportons la bataille! Pour plus de vidéos, allez le capitaine Tank Sparrow! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tank Marmotte! Nous allons remporter cette bataille! Et il y en aura bien d'autres! Bien d'autres! Ciao!